بسم الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخواني يحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بإذن الله تعالى إن شاء الله j'ai choisi de partager avec vous les frères آيات بينات من القرآن الكريم on va essayer d'étudier un petit peu سورة من القرآن الكريم on va pas l'étudier en entier Mais ce qu'on va étudier, on va essayer de comprendre la sourate, dans quel contexte elle est descendue, quels sont les messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala il envoie au prophète, il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis surtout, comment nous, on en tire à travers cette sourate, est-ce que le Coran, comment on en tire à travers cette sourate, l'explication de la sourate, ou comment la descendre dans notre waqi'a, dans notre vérité d'aujourd'hui. Comment on comprend sourate fil Coran dans notre compréhension, comment on contextualise le Coran aujourd'hui. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il ne dit pas « Afala yqra'ouna le Coran ». Il ne dit pas « Afala yahfadouna le Coran ». Qu'est-ce qu'il dit ?« Afala yatadabbarouna le Coran ». Pourquoi il ne médite pas le Coran ? Pourquoi il ne médite pas le Coran ?« Am ala quloubin aqfaluha » ou bien « Ont-ils les cœurs scellés ?» Parce que celui qui ne médite pas le Coran, souvent son cœur est scellé. Et Ibn al-Qayyim dit, si tu as un mushaf à la maison, ça fait 3 jours que tu ne l'as pas ouvert, fa'anta mina al-hajirina lil-Qur'an. C'est-à-dire que tu as laissé le Coran de côté. Et le Coran, lazim al-insani fahm bi'annahu kalamullah. Takallama bihi fil azal. Le Coran, quand tu lis le Coran, frère, c'est la parole de Dieu. C'est pas rien du tout. Et souvent, les gens qui ne comprennent pas le Coran, parce qu'ils ne le lisent pas avec iman, avec un cœur qui accepte le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit « Alladhina atainahum ul-kitab yatlounahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Ulaika yu'minuna bih. » Autrement dit, celui qui récite le Coran de la meilleure des manières, celui-là, il y croit. N'taq muslim, vous, moi, en tant que musulman, quand on lit le Coran, on essaie de comprendre le message que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie. Mais vous allez voir, on va faire surat al-Qasas, inshallah, aujourd'hui. Surat al-Qasas, aujourd'hui, bi'idhillah. Et vous allez voir tous les messages qu'il y a dedans, tous les concepts coraniques qu'il y a dedans. On peut les réciter surat al-Qasas. Il y a des histoires dedans, l'histoire de Moussa alayhi salam, qui est détaillée un petit peu sur le Qasas. L'histoire de Qaroun. Il y a l'histoire, la relation du prophète alayhi salam avec le Qaum Ta'o, avec son peuple. Mais vous allez voir tous les messages qu'il y a dans sur le Qasas chez Hajib et Yuhalikh. Nabda ala barakatillah. Alors avant de commencer sur le Qasas, on va parler un petit peu du prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam a 40 ans, et retenez bien ce que je vais dire là. Parce que vous allez voir un message sur le Qasas que beaucoup de gens ne le voient pas. Mais bien sûr, l'adina yatadabbarun al-Qur'an, il le voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation alors qu'il avait 40 ans. À 40 ans, il reçoit la révélation. Kuntu adhunnu anna al-ab'ada qad jun. C'est ce que dit le prophète. Il dit, je pensais au début, quand il venait, qu'il venait de recevoir Jibril, je pensais qu'il était devenu fou. Hatta anna fil Bukhari, il y a un hadith où le prophète il disait... Il montait sur un mont, il essayait de se lancer de ce mont, tellement c'est quelque chose c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui lui arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il va recevoir la révélation, je ne vais pas vous raconter tout ça, vous connaissez, en tant que musulman, on connaît tous l'histoire de la révélation, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fait Harar Hira, et puis il y a Jibril qui vient, Iqra ma'ana biqari. Alors le mot Iqra, il a plusieurs significations en arabe. Iqra, bien sûr, vous allez me dire « lit ». D'abord, la traduction exacte, c'est « récite ». Mais les ulama, en l'ouga, ils disent « iqra », c'est-à-dire « ijma ». Parce que dans l'ouga arabe, quand on dit « qarya »,«
c'est un assemblage de maisons. Donc, Iqra, yani ijma lillah, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tout ce que tu vois, la création, tout ce que tu regardes, tout ce que tu vois autour de toi, à qui tu l'attribues? Tu vois les animaux, tu vois les étoiles, tu vois les constellations, tu vois les montagnes, toute cette création, à qui tu l'attribues? Ijma'a lillah, subhanahu wa ta'ala. Bon. Le prophète, il va recevoir la révélation, et vous savez ce qui s'est passé à la Mecque. Donc, Waraq ibn Nawfal, quand il le voit, Waraq ibn Nawfal, qui était le cousin de Khadija, quand Khadija le présente à Waraq ibn Nawfal, il lui dit « Innahu namus ». C'est les mêmes critères qu'a eu Moussa alayhi salam quand il a reçu la révélation. Et si Dieu me prête vie, comme ça il lui dit, si Dieu me prête vie, j'assisterai au jour où ton peuple te sortiront de chez toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étonné, il dit, ils vont me faire sortir de la Mecque. Il lui dit, ma ja'a rajulun bima ji'ta bihi illa wa akhrajahu qawmuhu. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient avec ce que tu as ramené, son peuple il le jette. Comme ça il lui dit. Et ce que dit Waraq ibn Nawfal va arriver, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va partir de la Mecque, il va aller à Médine. Bon. Mais écoutez bien, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va subir les foudres de son peuple, les foudres de sa tribu. Ils vont le traiter de fou, de majnoun, de sahir, de kadhab, de... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous appelez à l'islam, attendez-vous à ce que les gens vous traitent de fou. Attendez-vous à ce que les gens ils vous disent que tu es un magicien, que tu es... Voilà, vous voyez, c'est ça, en fait. Bon, ça, c'est la première. La seconde, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir des alliés avec lui qui vont le soutenir. Sa femme Khadija, Ammuhu Abu Talib, et puis ses proches, Abu Bakr, qui vont le soutenir. Khadija, elle va décéder, écoutez bien, Khadija, elle va décéder 3 ans avant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parte à Médine. Et Ammuhu Kadhalik, Ammuhu Abu Talib, il va décéder 3 ans avant qu'il parte à Médine. Bon, le Ma'sir a beaucoup récusé ce terme, ils disent « Hada Am al-Huzn », c'est-à-dire l'année où il a perdu son oncle et où il a perdu Khadija, qui était sa femme et qui était son bras droit, si vous voulez. Elle le consolait, Je vais vous raconter 2 anecdotes sur Khadija et après on fait la sourate Al-Qasas, Inch'Allah. Khadija, radiallahu anha, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ça il faut qu'on le raconte à nos femmes, ayyuh al-Ikhwa. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait tellement. Il l'aimait tellement que quand il immolait un mouton, il immolait quelque chose, enfin une bête, il partageait avec les amis de Khadija. Quand il y a eu Ghazwat Badr, suivez-moi, quand il y a eu Ghazwat Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient des prisonniers de guerre. Ils avaient 70 prisonniers. Et le prophète va décider avec les compagnons que chaque prisonnier peut racheter sa liberté. Comment ? Soit il a de l'argent, donc il rachète sa liberté en donnant de l'argent. S'il n'a pas d'argent, il a une connaissance, il apprend aux enfants des musulmans à lire et à écrire, il peut retrouver sa liberté. Parmi les prisonniers, il y avait Ibn al-As, qui est l'époux de Zaynab, Zaynab qui était la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zaynab qui était la fille du prophète, son cœur il faisait comme ça, quand il y a eu Ghazwat Badr. Il y a son mari dans un camp et son père de l'autre camp. Donc dans les deux camps, il y a quelqu'un qui est très proche d'elle. Et son mari, il va se faire prisonnier. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc elle, pour racheter la liberté de son mari, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle avait un collier, une perle, qu'elle va envoyer à Médine pour racheter la liberté de son mari. Et regardez, hein, c'est... Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va lui ramener... Les bijoux, l'argent. Pardon. On lui dit ça, c'est l'argent de un tel. Puis il retrouve sa liberté. Ça, c'est l'argent de un tel. Et puis, il y a ce collier de perles. Le prophète, il le voit, il le regarde, puis il le porte à son œil comme ça, puis il le sent. Il sent l'odeur qu'il y a dedans. Il dit, Hikdou man hada. C'est un collier à qui? On lui dit, à un tel, Ibn al-As. Le mari de Zaynab. Il dit, mais ça, c'est le collier de Khadija. Il dit, ça, c'est le collier de Khadija. Il pose le collier, il appelle ses compagnons. Il appelle ses compagnons, il leur dit, qui me donne l'autorisation que je le laisse partir avec son collier? Chef d'État, il est le prophète. Mais il ne fait pas les choses de sa tête. Il
Et comprenez, il dit, Ya Rasulallah, tu es le chef. Il dit, non, je veux votre aval. Je veux que vous me disiez. Qu'est-ce que Ya Rasulallah fait ? Il appelle le mari de sa fille. Il lui dit, prends-le. Redonne-le à Zainab et dis-lui qu'elle le garde bien. Parce que c'est la seule chose qui nous reste de Khadija. Ajib, hein ? Le prophète, il pleure quand il voit ça. La deuxième histoire qui concerne Khadija, bon, ouais, l'As, après il va devenir musulman, l'histoire elle est longue, on la racontera une autre fois, Inch'Allah. La deuxième histoire concernant Khadija. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à la Mecque, les frères, en conquérant, quelle année de l'Hijra ? Quelle année il arrive en conquérant ? Il conquiert la Mecque, le prophète, vous savez ? Non, 13 ans, 13 ans c'était, il est resté 13 ans à la Mecque, et 10 ans à Médine. Mais après le Hijra, combien d'années vont s'écouler pour que le prophète il va conquérir la Mecque ? Combien ? 10 ans. Non, pas 10 ans, 8 ans. Au bout de 8 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va conquérir la Mecque. Ok ? Au bout de 8 ans, il va conquérir la Mecque. Et quand il conquiert la Mecque, vous savez que le prophète, quand il est parti, on lui a tout enlevé, hein ? On lui a tout spolié, comme on dit. C'est-à-dire qu'on lui a tout enlevé de force. Il a laissé sa maison, on l'a prise, les compagnons, tout ce qu'ils ont laissé, on l'a pris. Et ils ont tout laissé, du jour au lendemain, walou, rien. Et le prophète, quand il arrive à la Mecque, tout le monde voulait que le prophète passe la nuit chez lui, ou réside chez lui, ou qu'il soit son hôte. Vous savez ce qu'il dit le prophète ? Dressez-moi une tente devant la tombe de Khadija. Subhanallah. Oui, le wafa, comme on dit, le wafa, c'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est très reconnaissant envers cette femme, qu'il a soutenue. Un jour, Aïcha, elle disait, jamais j'étais jalouse de quelqu'un comme j'étais jalouse de Khadija, qui était décédée. Et pourtant, le prophète, il n'arrêtait pas de parler d'elle. Puis un jour, elle lui dit, Ya Rasulallah, Allah subhanahu wa ta'ala abdala ka khayra minha, Allah, il t'a donné mieux qu'elle. Et non, Allah, il ne m'a pas donné mieux qu'elle. Et c'est une femme qui m'a soutenu quand tout le monde m'a laissé tomber. Et c'est une femme. Kenet. Aïcha, elle dit, depuis ce jour-là, je n'ai plus parlé sur Khadija. Regardez le wafa. C'est vraiment, c'est très très fort. Et ça, c'est l'humanité du prophète. Quand on veut parler du prophète, il faut parler de son humanité. Donc je disais, le prophète, il va perdre Khadija quand 3 ans avant le départ vers l'Hijra ila al-Madina, 3 ans. Pendant ces 3 ans, le Coran va descendre. Parmi les sourates qui vont descendre pendant ces 3 ans, avant le départ à l'Hijra, pendant ces 3 ans, il y a sourate Yusuf. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui raconter quoi ? Il va raconter l'histoire de Yusuf. Et l'histoire de Yusuf, il y a des ulama qui en ont sorti, excusez-moi les frères, qui en ont sorti 1000 leçons. 1000 dars min sourate Yusuf. 1000. Il y a plus de 150 livres qui ont été écrits sur sourate Yusuf. Sourate Yusuf. Yani, vous ne pouvez pas imaginer. Yaqub, il perd son fils. Si vous commencez à compter, le fils est parti tout petit, gamin. Donc il va grandir dans la maison de l'Aziz. Allez, on va lui dire combien ? 10 ans à peu près. Il va grandir. Il est parti à 6 ans, 7 ans. Et puis il va grandir. Donc à l'âge de 16 ans, il va grandir, il va atteindre l'âge pubère, l'âge adulte. Zid, il va passer 7 ans en prison. Donc 10 plus 7, ça fait combien ? 17. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبعون عجاف. Et le roi va voir quoi ? Qu'il y a 7 grosses vaches qui vont... Non, 7 grosses vaches qui sont mangées par des vaches maigres. Et c'est quoi les 7 vaches maigres et les 7 ? C'est 7 ans de disette et 7 ans d'opulence. Donc les 7 ans de disette et les 7 ans d'opulence, ça fait combien ? 14 plus 17, ça fait combien ? 32, barakallahu fik. Donc Youssouf, il était éloigné de son père au minimum 32 ans. Si on compte juste ce qu'il y avait le Coran, jusqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte. Au minimum, 32 ans, Youssouf était éloigné de son père. Jusqu'à ce que son père, il perde la vue. Comment ?
30 ans, 30 ans. Oui, manège, manège. Mais juste 30 ans. Naïf 30, mais l'ulama il dit 30, manège, c'est pas grave. Quel est le 40, parce qu'il rajoute. Mais je vous dis juste ce qu'il y a dans le Coran, si on commence juste à compter, à peu près d'après le Coran, parce qu'il est resté après, fait Bayt al-Malik, fait Andil Aziz. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va descendre sur le Yusuf, Kamila, sur le prophète. Il va lui descendre à des surah, surat al-Qasas. Il va lui descendre surat al-Qasas, sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les frères, si on ne finit pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Une autre fois, Inch'Allah, on va la finir, bi'idhnillah. Mais vous allez voir. Donc le prophète, il va recevoir surat Yusuf. Wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Et nous te racontons l'histoire des prophètes qui t'ont précédé. Pourquoi ? Pour raffermir ton cœur. Pour que tu sentes que tu n'es pas seul dans l'épreuve. Pour que tu comprennes que les gens avant toi ont été éprouvés aussi. Pour que tu saches que quelqu'un qui fait ce que tu fais, c'est-à-dire que tu transmets le message d'Allah, et ça c'est aussi pour nous les frères. C'est-à-dire que quand vous voyez toutes ces tempêtes autour de l'islam et des musulmans, que ce soit en France ou ailleurs, quand vous voyez le monde musulman, de la Libye jusqu'en Irak, allez, prenez votre tête comme ça et vous dites, mais ça c'est une épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, « Qutila ashabul ukhdud, al-nari dhati al-waqud, idhum alayha qu'ud » Où je dis Allah subhanahu wa ta'ala, « Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahi al-aziz al-hamid » Quel était leur crime ?« Wa ma naqamu minhum » Quel était leur crime ? Le fait qu'ils soient croyants. Le fait qu'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. « Mais الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » Le Coran, c'est des leçons pour nous, les frères. Des leçons pour nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va descendre sur la Al-Qasas. C'est pour ça que je commence comme ça, pour que vous compreniez les contextes dans lesquels sur la Al-Qasas est descendu. Il va descendre sur la Al-Qasas 3 ans avant le départ du prophète à Médine. Et regardez ce qu'il va lui dire dans sur la Al-Qasas. Il va lui raconter l'histoire de Moussa, alayhi salam. Et l'histoire de Moussa, il y a plein de leçons, yohan l'ikhwa. Plein de leçons. On commence. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ta-Sin Mim. Ta-Sin Mim. Huruf al-Muqatta'a. Ce sont des lettres coupées. C'est ce qu'on dit. Hein? Ce que disent les ulama. Beaucoup de savants vous disent Tafsiruha Allahu A'lam. Que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala min Ta-Sin Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra. Qu'est-ce que ça veut dire Allahu A'lam. Lakin kathir min al-ulama aussi, ils vont dire effectivement, ta-sin mim. Mais si vous regardez juste derrière alif lam mim, alif lam ra, alif lam, astaghfirullah, alif lam mim ra, juste derrière al-huruf, qu'est-ce qu'il y a ? Allah subhanahu wa ta'ala yadhkur al-kitab, ou al-Qur'an, ou al-tanzil, ou al-ayat. Alif lam mim, fil baqara, dhalika, al-kitabu, la rayba fih. في سورة يوسف ألف لام را إن أنزلناه قرآنا عربيا طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين الله سبحانه وتعالى يقول الكتاب أي كتاب هذا القرآن علاش الله سبحانه وتعالى بوركو الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الكتاب بوركو الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الكتاب بعد طاسين ميم وكأنه يقول لقريش فوكيت très fort en langue arabe. Ce Coran est descendu avec les lettres que vous utilisez. Ta, sin, mim, alif, lam, mim, ra, ain, sin, qaf, kaf, ha, ya, ain, sa. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous utilisez ces lettres-là. Eh bien, ce livre utilise ces mêmes lettres. Essayez de ramener la même chose. Il est d'une éloquence que vous ne pouvez pas égaler. Que vous ne pouvez pas égaler. Donc, quand il y a « huruf al-muqatta'a », regardez toujours ce qu'il y a derrière. Regardez toujours ce qu'il y a derrière, et souvent, ce qu'il y a derrière, Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam an al-kitab. « Tilka ayatul kitab al-mubin ». Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Natlu alayka min naba'i »« Natlu alayka min naba'i Moussa wa Fir'aun bil-haq li qawmin yu'minun ». Nous allons te raconter l'histoire de Moussa et Fir'aun bil-haq li qawmin yu'minun. Pour les gens qui croient. Il croit ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous raconter. Alors regardez. Inna fir'auna ala fil ard.
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الله سبحانه وتعالى nous dit إن فرعون فرعون على في الأرض est devenu tyran sur terre. Pharaon ici, Pharaon, vous remarquerez que fait surat Yusuf, Allah il dit pas Pharaon, il dit le Malik. Il dit le Malik, il dit pas Pharaon. Et pourtant, c'était la dynastie des pharaons en Égypte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit pas Pharaon, il dit le Malik. Vous savez pourquoi? Parce que le Malik fait surat Yusuf était bon. Et ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Pharaon, il parle de quelqu'un de tyran. Et il nous dit, Pharaon, Pharaon, c'est chacun qui se dit, qui est tyran et qui dit, Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur. Des fois, il ne le dit pas directement comme ça, mais des fois, il le dit par ses actes. Pharaon, ce n'est pas seulement un roi tyran, ça peut être une entité. Ça peut être un parti, ça peut être une armée, ça peut être un État, ça peut être une civilisation. C'est ça, Pharaon. « Na Pharaon ala fil ard, wa qalu man ashaddu minna quwwa, qul illahu alladhi khalaqakum. » Ahad, ils ont dit, qui est plus fort que nous? Mais aujourd'hui, il y a des puissances qui vous disent, qui est plus fort que nous? Non, on peut faire ce qu'on veut sur terre. Et quand on décide d'anéantir un pays de la carte, on ne peut anéantir un pays de la carte. Ils vous disent ça. Il y a des entités qui disent ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du Pharaon, il parle de ces gens-là. Il parle de ces entités-là. Et pourquoi il les cite ici de Pharaon ? لأن الفراعنة في الأرض سيكونون. الفراعنة في الأرض, ils ne vont pas disparaître jusqu'à la fin des temps. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une puissance, matériel, technologique, qui est en puissance, il se croit invincible et il se prend pour Pharaon. Mais Pharaon, استخف قومه فأطاعوه. أنا ربكم الأعلى وقال ما أريكم إلا ما أرى. Vous ne pouvez décider que ce que moi je vois pour vous. Et puis il a فاستخف قومه فأطاعوه, c'est-à-dire qu'il a traîné son peuple dans l'indécision, et puis ils ont acquiescé, ils ont accepté ce que Pharaon a décidé pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala faghalaqnahum fil yam. Donc Pharaon ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'entité. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Les tyrans, qu'est-ce qu'ils font? Ja'ala ahlaha shi'a. Ils divisent les gens. Ça ne vous rappelle rien? Ils divisent les gens. Pharaon, je vous ai dit, ce n'est pas un homme seulement. Ça peut être une entité. Donc l'entité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle divise les gens. Il crée la division dans la société. Vos ennemis, ce sont ceux-là, là. Ceux-là, ce sont vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et ils ne respectent pas les valeurs de la République. Non, mais c'est ça le Coran, les frères. Inna hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakuma min ardikum. C'est ce que dit Pharaon sur le Shu'ara. Ce sont deux magiciens qui veulent vous faire sortir. Pharaon qui parle. Qui veulent vous faire sortir de votre terre. C'est Pharaon qui parle. Je me rappelle d'un ancien président qui disait, ils veulent vous sortir, ils parlent français. Mais en fait, il défend ses positions à lui. Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il défend ses positions à lui. Il défend son territoire, il défend son royaume. Mais il dit aux gens, regardez, ces gens-là, ils veulent vous faire sortir. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Vous vivez dans l'opulence, vous voyez. Et ceux-là, ils veulent vous rabaisser. Ils veulent mettre la femme à la maison. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ja'ala ahlaha shi'an. Il divise les gens. Et ensuite, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils vont se dresser les uns contre les autres. Et lui, il tire les marrons du feu. Ja'ala ahlaha shi'an, yastad'ifu ta'ifatan minhum. C'est ça le Coran, les frères. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire « yastad'ifu ta'ifatan minhum » ? Il prend les plus faibles, « yastad'ifuhum » Les plus faibles, qu'est-ce qu'il va en faire ? Les plus faibles, il va les écraser. Il va en faire quoi ? On va trouver le bouc émissaire. C'est les plus faibles. Un jour, c'est les Juifs.
Un jour, c'est les musulmans. Un autre jour, bah, chaque époque a son faible dans la société. À qui on donne en pâture comme ça à la population? Ce sont ceux-là vos ennemis. Et la population se défoule. C'est comme ça qu'il faut contextualiser le Coran. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ مَنْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Donc il parle de Bani Israël quand Pharaon il a fait un rêve, et regardez Allah subhanahu wa ta'ala, quand Pharaon il a fait un rêve, il fait un rêve comme quoi il y a quelqu'un de Bani Israël qui va venir et qui va anéantir son royaume, qui va mettre fin à son royaume. Il fait interpréter son rêve et on lui dit il y a quelqu'un de Bani Israël qui va venir et qui va détruire ton royaume. Qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Tous les nouveaux-nés de Banu Israël, il va les tuer. Comment Banu Israël sont arrivés en Égypte? Vous savez comment ils sont arrivés en Égypte, Banu Israël? Vous savez ou pas? Youssouf, alayhi salam, wa rafa'a abawihi ala l'arsh. Barakallahu fik. Youssouf, quand il était kana azizan fi Misra, ses frères sont venus et ils sont établis là. Et Yaakoub, il s'est établi en Égypte. Et du coup, Banu Israël sont restés. Ils étaient bien traités, jusqu'à ce qu'arrive un des pharaons qui va les rendre esclaves. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? On leur a dit, hein, parmi ces esclaves-là, il y a quelqu'un qui va venir et qui va détruire ton royaume, qui va anéantir ton royaume. Qu'est-ce qu'il décide? De tuer tous les nouveaux-nés. Tous les nouveaux-nés, il va les tuer. Jusqu'au jour où on vient le voir, on lui dit, si tu continues à tuer les nouveaux-nés comme ça, on n'aura plus de main-d'œuvre. Il n'y aura plus personne pour construire, ni tes pyramides, ni tes ponts, ni rien. Donc il décide de tuer un an sur deux. Un an il tue, et une autre année il ne tue pas. Et Allah il fait naître Moussa quand? L'année où il tue ou l'année où il ne tue pas? Non, l'année où il tue. Il le met au défi. Et vous allez voir les concepts coraniques, il y a les croix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse ses femmes vivantes, les femmes, il les laisse vivantes, et les enfants et les garçons, il les tuait. Il ne tuait pas les filles. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum humul warithin. Wa naj'alahum humul warithin. Alors en français, il dit: Mais nous voulions favoriser ceux qui ont été ou là, qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants. Et en faire les héritiers. De quoi? De la terre. Alors, je vous rappelle, ces versets sont descendus sur qui? Sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand? Quand? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? 3 ans avant le Hijra. Dans quelles conditions ils étaient le prophète avec ses compagnons? Yani, ils étaient faibles. Ils n'avaient rien. Et vous savez combien de compagnons sont partis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine? Les ulama sirah, ils disent à peu près 80. Il n'y en a pas beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, ceux qui sont faibles aujourd'hui, namunnu alayhim. Il parle de Banu Israël, mais il parle aussi au prophète. Ça, c'est un concept coranique. Ça veut dire quoi? Si tu crois vraiment en Allah, et tu fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, un jour ou l'autre, Allah il va faire éclater la vérité. Et un jour ou l'autre, quelqu'un qui était pieux, et qui était dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il fera un héritier sur terre. Ça, c'est un concept coranique, ayyuha al-ikhwa. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Et nous allons leur donner une force sur terre, nous allons leur donner une puissance sur terre, et nous allons montrer à Pharaon, Haman et Junudahuma. Entre guillemets, Haman, il est cité juste dans le Coran. Il y en a qui disent que Haman, c'est une fonction chez les pharaons. Et le mot Haman, il y a des gens qui ont fait des études sur les écritures et ils l'ont trouvé sur les hiéroglyphes, mais ils l'ont trouvé nulle part sur les écritures, ils l'ont trouvé juste sur le Coran. Entre parenthèses. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous allons leur montrer qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. Ils n'étaient pas sur le bon chemin. L'injustice ne peut pas durer. Et quand tu construis un État, ou quand tu construis un royaume sur l'injustice, ça ne durera pas. Un jour ou l'autre, tu finiras par subir les foudres de la vérité. Tu vas finir par subir quoi? Al-Haq. Subhanallah. J'ouvre une parenthèse. Bon. Vous savez qu'en 1996, vous savez ce qui s'est passé en Libye? Il y avait une prison où il y avait
2200, je crois, ou 2600 personnes. Ils les ont fait sortir dans la cour, et puis ils ont commencé à tirer sur eux. Vous connaissez l'histoire? 2600 personnes. 2600 personnes. Et après, on a amené les corps. Il y en a qui disent qu'ils ont enterré les corps dans la prison même. Ouais. 96. Le gars tyran. Il prend le pouvoir, tyran. Il fait ce qu'il veut. Vous voyez? 96. Hein? Le temps passe. Écoutez bien, le temps passe. Jusqu'en 2011. Vous savez ce qui se passe? Les familles des victimes, des 2000 personnes qui étaient en prison, ils allaient voir leur fils, leur père, leur frère. Et on leur dit non, on ne pouvait pas le voir. Ils lui donnent le couffin, avec à l'intérieur de la nourriture, etc. C'est les gardes qui la mangent et le reste, ils le jettent. Pendant combien de temps? 16 ans. 16 ans, ils faisaient ça. Et puis un jour, les victimes, les familles des victimes, ils disent c'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça. Donc ils ont mis des avocats. On veut voir nos gars, on veut voir nos proches. Et bien, le pouvoir, il panique. Qu'est-ce qu'il fait? Il met l'avocat en prison. Et vous savez que c'est ça qui a donné le feu aux poudres en Libye? C'est ça qui a fait descendre Kadhafi. Le retour du bâton. Quand tu fais charb comme ça, quand tu fais le mal comme ça, tu crois que tu ne vas pas payer? Yani, فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Quand quelqu'un est injuste, vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Pensez qu'Allah il est inattentif à ce que vous faites. Pensez jamais ça. Et la certitude, les frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour ou l'autre, yakhudh al-haq. Quand quelqu'un est injuste comme ça, quel que soit où il est, quelle que soit la durée de l'injustice, un jour ou l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire triompher la vérité. Alors là, il va parler de Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « Wa awhayna ila ummi Moussa, an ardi'ih, fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam, wa la takhafi wa la tahzani, inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. » Nous avons révélé à la mère de Moïse. Regardez, hein. La ummi Moussa, an ardi'ih, alat-le. Fa idha khifti alayhi, et si tu as peur pour lui, fa alqihi fil yam, jette-le dans la mer, mets-le dans un caisson et mets-le à la mer. وَلَا تَخَافِي, n'aie pas peur et ne sois pas affligé. وَلَا تَحْزَنِي, إِنَّ رَدُّهُ إِلَيْكَ, nous allons te le rendre et en faire un messager. يقول العلماء هذه بلاغة ما فوقها بلاغ. Il y a une éloquence dans cette ayah qui a dépassé toutes les éloquences. أمراني ونهياني وبشارتان. Il y a deux ordres, deux interdits et deux bonnes nouvelles. Deux ordres. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ. Allaite-le, ça c'est un ordre. Le deuxième ordre, c'est quoi? Aqdifihi filiam, barakallahu fi. Jette-le à la mer. Amrani wa nahyan, deux interdits. Il y a interdit de la takhafi wa la tahzani. Tu ne dois pas avoir peur et tu ne dois pas être affligé. Deux interdits. Et deux bonnes nouvelles, lesquelles? Nous allons te le rendre et en faire de lui quoi? Un messager. Alors regardez les frères. Vous imaginez qu'à l'époque, il n'y a pas d'échographie. Donc la femme de Moïse est enceinte, la mère de Moïse, pardon, est enceinte. Elle ne sait pas de quoi elle est enceinte, si c'est un garçon ou une fille. Et elle sait très bien que si c'est un garçon, il va tuer. Donc quand elle accouche, c'est là où elle a encore plus peur. Pourquoi? Parce qu'elle a accouché d'un garçon. Comment elle fait? Comment elle fait? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, là, il lui révèle. Mets-le dans un caisson et jette-le à la mer. Bon, la mer ici, ce n'est pas la mer, c'est le Nil. Hein? Ouais, c'est le Nil. Donc elle le met dans le Nil. Mais si vous regardez matériellement, vous prenez un nouveau-né, il n'y a pas plus fragile qu'un nouveau-né. Vous le mettez dans un caisson et vous le laissez naviguer dans le Nil. Vous dites, c'est pas normal. On est d'accord. C'est pas possible. Matériellement, c'est pas possible. Mais la femme, la mère de Moïse, elle va le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance en Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, si tu fais ça, nous allons te le rendre et en faire de lui un messager. Mais fais-le. Alors, je résume. Comment on applique ça pour nous, nous, qui vivons en France aujourd'hui? On applique cette ayah sur nous. Ça y est les frères, beaucoup de gens viennent me voir. Est-ce que je peux faire un crédit pour acheter un appartement?
Tu lui dis, le crédit avec taux usuraire avec une banque de riba, haram. Tu dis, bon, mais si je ne fais pas de crédit, jamais j'arriverai à acheter un appartement. Et tu lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala karim. Si toi, tu délaisses ce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit haram, Allah iftah alik, il va t'ouvrir de là où tu ne t'attends pas. Après, moi je ne suis pas derrière les gens. Chacun, il fait comme selon sa conscience. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui disent non, c'est haram. Et ceux qui disent non, wallahi yuhal ikhwa, Allah il leur ouvre. Et ça, c'est exactement la même chose. Matériellement, tu dis, je gagne 1005, ma femme elle gagne 2000, ou moi je gagne 2000 et, moi, et ma femme 1005, donc on a 3500, on peut payer un crédit et dans 30 ans, je suis propriétaire. Mais Allah te dit, riba, non. Il va t'ouvrir. C'est ça la mère de Moïse. Il lui dit, mets-le dans un caisson et fais confiance à Allah. Ne fais pas le haram et fais confiance à Allah. C'est ça le concept coranique. Il lui dit, fais confiance à Allah. Mets-le dans un caisson et mets-le dans le Nil. Et Allah, il va ouvrir. T'inquiète. Il va partir. Moussa, il est dans un caisson, dans un petit caisson comme ça, dans un koufa, si vous voulez. Il est dans le Nil. Qui va le prendre ? Faltaqatahu alu Fir'aoun. La famille de Fir'aoun, ils vont voir un bébé. Et la femme de Pharaon ne pouvait pas avoir de bébé. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌ وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَنَا وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Des fois, celui qui pense qu'il est en train de faire une ruse, en fait, il est juste en train d'appliquer le destin d'Allah. Celui qui pense qu'il est en train de faire une ruse ou d'enfoncer quelqu'un parce qu'il va l'accuser de ça ou ça ou ça. Ce qu'il est en train de faire, c'est le destin juste à Rabbi. لَكِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mais il ne sait pas. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui gère. Donc eux, ils ont tout fait. Pharaon, il a tout fait. Comme aujourd'hui, on fait tout pour dénigrer les musulmans. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça va leur retourner. Et regardez le temps, comment il fait les choses. Allah subhanahu wa ta'ala yumhil wa la yuhmil. Donc Pharaon, qui va le prendre, la femme de Pharaon. Elle va voir Pharaon, elle lui dit qurratu ayni li wa lak la taqtuluhu asa an nattakhidha an yanfa'ana wa nattakhidahu walada. Elle dit qurratu ayni li wa lak, qurratu ayn. Rasoul sallam dit wa ju'ilat qurratu ayni fi s-salat. Ça veut dire qurratu ayn, c'est là où mon œil se stabilise. Qurratu ayn, l'abna qurratu ayn, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu n'as pas d'enfant, tu regardes les enfants des autres. Mais dès que tu as Allah subhanahu wa ta'ala dans les enfants, tout ton regard, il va être fixé sur tes enfants. Et la femme de Pharaon, elle lui dit, Qurratu Ayn, c'est-à-dire que mon œil, il va être fixé sur qui? Il va être fixé sur Moussa, alayhi salam. Il va être fixé sur Moussa. Pharaon lui dit, non, Qurratu Ayn, lak, laki anti, pas pour moi. Il sera ton fils à toi, mais pas pour moi. Ok. Wa qalat imra'atu Pharaon, Qurratu Ayn, wa la taqtula sa'in Pharaon. Wa asbaha fu'adu ummi Moussa fariqa. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يقول التعبير القرآني وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. En français, la traduction, le cœur de la mère de Moïse est devenu livide si nous n'avons pas raffermi son cœur. Si nous n'avons pas raffermi son cœur. En arabe, il dit « wa asbaha fu'adu » mais quoi « wa asbaha qalbu ummi Moussa » Vous savez ce que c'est le fu'ad ? Le fu'ad, en arabe, linguistique, en arabe, le mechwa. Vous savez là où on fait choix ? C'est ça le fu'ad. C'est-à-dire que là, le cœur de la mère de Moïse, là, tout ça, c'était en feu. Fu'adha, comme on dit, barakallahu fik. Fu'adha, il brûlait. Pourquoi ? Son fils, subhanallah. Là où Allah subhanahu wa ta'ala il a raffermi son cœur, les takouna min al-mu'minin. Asbar, Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir. Ne te casse pas la tête. Une quête la tout débile, elle a failli crier, elle a failli aller dire c'est mon fils, rendez-le-moi. Wa qalat li ukhtihi qussih. Elle dit à sa sœur, va, suis-le, suis le caisson. Regardez les ulama ce qu'ils disent. Fait tadabbur al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, les Moussa, on va te renforcer par la présence de ton frère. Et dans sa tendre jeunesse, quand il était bébé, qui l'a surveillé? Qui a suivi le caisson? Ortho. L'ulama, ça c'est
C'est un des savants qui dit ça, Nasser al-Amr, pour le citer. Nasser al-Amr, il dit وَحَتَّ وَإِن كُنْتَ فِي مُسْتَوَى النُّبُوَّةِ خُكْ وَخُكْ. Tu ne pourras jamais t'en passer de ton frère. C'est aussi une leçon pour nous. Même si tu es au stade de la prophétie, ton frère ou ta sœur restera toujours ton frère ou ta sœur. Tu en as toujours besoin, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous allons te raffermir avec ton cœur, nous allons te donner en force, te donner un soutien, qui ? Ton frère. Et là, il dit, وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ. L'ourt de Moussa, elle va voir que la famille de Pharaon, ils ont ce bébé. Et que le bébé, il pleure, depuis 2 jours, il pleure. Il refuse d'allaiter une autre femme. Il pleure, on lui a ramené toutes les femmes d'Égypte. Well, rien. L'ourt, elle va leur dire quoi ? Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Moussa, il n'accepte aucune femme. Moussa bébé, il pleure, il a faim, il n'accepte aucune femme. Et la sœur, elle leur dit, moi je vais vous indiquer une famille qui va le prendre en charge et vous allez voir. Qui va venir ? La mère de Moussa. Alors regardez, elle arrive au palais, dès qu'elle prend le bébé, elle lui donne le sein, le bébé il est calme. Et là, la femme de Pharaon, elle crie victoire. Allahu Akbar. Donc elle prend son bébé, elle lui donne le sein, classe. Le bébé il est très calme. Et il tète sa mère. La femme de Pharaon, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle propose un contrat à la mère de Moussa, alayhi salam. Elle lui dit, tu vas vivre chez nous, tu vas allaiter l'enfant, et on va te donner un salaire. Adjib, hein ? Mais pourquoi elle lui dit ça ? Parce que la mère de Moussa, elle a fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, jette-le à la mère, il ne te casse pas. Si Allah ne te casse pas la tête, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'en occupe. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à nous, faites ce qu'Allah vous dit, et tu vas voir l'ajib après dans ta vie. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et après, tu vas voir l'ajib dans ta vie. Et on va finir avec cette ayah, parce que waqt al-isha dakhal. 10 minutes, comme vous voulez. La surah tawila, on peut rester jusqu'à demain. Ok. وحرمنا عليه المذا فرددناه وقعد يسكت الله سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. On vous dit, ça c'est une règle في القرآن. فرددناه إلى أمه. On l'a rendu à sa mère pour qu'elle se réjouisse, pour qu'elle réjouisse son œil, et pour qu'elle soit pas affligée. Et pour qu'elle sache que quand Allah il te dit quelque chose, c'est une vérité. Allah min asma'illah al-husna, le vrai, al-haq. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Fi surat Yusuf, il dit وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans son commandement, il est seigneur dans son commandement. Allah est seigneur dans son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Vous voyez ? La plupart des gens ne savent pas. Allah est seigneur dans son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand Allah il décide de faire quelque chose, Allah est seigneur dans son commandement. Allah il te fait passer par des épreuves. Pourquoi ? Pour te renforcer, pour te rendre plus fort. C'est le message qu'il donne au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit au prophète, si tu fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala il te dit, t'inquiète, regarde, Moussa, on l'a jeté à la mer alors qu'il était bébé. Et on l'a rendu à sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, s'il te touche, qu'il t'est en train de te toucher là, si tu es affligé par ce qu'ils te disent, par ce qu'ils te font, ne t'inquiète pas. Allah il gère. Et ça, dharabat lati la tuqsimu dhahrak tuqawwik. Les coups qui ne cassent pas ton dos vont te renforcer. Et toutes les épreuves qu'on voit, nous, aujourd'hui, à Yohan Likho, toutes les épreuves, ça fait quoi ? Ça fait des hommes. Ça crée des hommes. Ça crée des hommes et des leaders. Parce que devant le défi, on doit réagir. Ta fille, ta sœur, ta femme, elle ne peut pas porter le hijab, elle ne peut pas aller à l'école, elle ne peut pas aller au boulot. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va regarder comme ça et on va pleurer sur notre sort. Eh bien, il faut faire des écoles. Il faut créer le boulot.
faut qu'on crée le boulot et ma femme, elle travaille avec moi ou elle travaille dans une structure où elle peut porter son voile. Il est où le problème? Quel est ton problème? Donc vous voyez, des fois, l'épreuve, les frères, l'épreuve te renforce. L'épreuve, elle fait de toi un homme. L'épreuve, ala lillahi dinul khalis. Vous savez ce que c'est l'ikhlas? L'ikhlas, quand tu dhahab, s'il ne passe pas par l'épreuve de feu, on ne peut pas enlever les impuretés. L'or, si on ne passe pas par l'épreuve de feu, si on le chauffe pas et qu'il ne devient pas malléable, qu'il ne devient pas liquide, on ne peut pas enlever les impuretés. Donc, l'insan, c'est ça. L'insan, c'est-à-dire plus ta foi est élevée, plus Allah subhanahu wa ta'ala te donne des épreuves. C'est ça ce que ça veut dire. Ibn al-Qayyim, il donne un exemple très beau dans l'ibtila. Il dit, des fois, vous avez un berger, et le berger, il a un troupeau. Et vous avez une brebis, par exemple, qui commence à sortir du troupeau. Le berger, il prend une pierre, et il la jette sur la brebis. Et peut-être qu'il la blesse. Mais pourquoi il fait ça? Pour qu'elle rentre. Pour qu'elle rentre dans les rangs. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de s'égarer, et si elle s'égare trop, elle va être mangée par le loup. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il nous donne des épreuves pour nous dire, hé, où tu vas là? Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin d'entendre ta voix. Reviens. Reviens. Et là, quand tu passes par l'épreuve, vous avez remarqué, les frères, quand on a quelqu'un de malade dans la famille, ou bien on est nous-mêmes malades, ou bien on passe par une épreuve, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les prières, on multiplie le dua, on multiplie... Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin d'entendre ta voix. Au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans un hadith, il dit « Inna Allah kataba lil abdi darajatan fil jannah la yablughaha bi'amalih » La yablughaha bi'amalih. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit une station au paradis à l'être humain, à son serviteur, qui ne peut pas atteindre avec ses œuvres. « Fayyabtali » C'est-à-dire qu'avec tout ce que tu fais, « Wabi rahmatillah »« Lanutrila al jannata ahadal amalu »« Qalu wala anta ya rasulullah »« Qala wala ana » Personne ne rentrera au paradis avec ses œuvres. قالوا même toi, Rasulullah. قال même moi. إلا أن يتغمدني الله برحمته. Pourquoi? Parce que si vous comptez Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous comptez les bienfaits d'Allah sur vous, vous pouvez pas les compter. Effectivement, on peut pas remercier Allah sur tout ce qu'il nous a donné. Donc ce qu'on fait, c'est un minimum. Et le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, rentre au paradis avec ma miséricorde. Mais peut-être que tes œuvres, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Alors regardez, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa tilka al-jannatu urithtumuha » Vous avez hérité de ce paradis. Quand on hérite, on a fait quoi? Si j'hérite de mon père, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Mon père, il a bossé, il a ramassé de l'argent. Moi, je viens derrière, j'hérite. Urithtumuha, ça veut dire que tu n'as rien fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit « Bima kuntum ta'amaloun » Qala l'ulama « Tuwarrathu al-jannah » Allah subhanahu wa ta'ala te rentre au paradis. Koulou amin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala vous fait rentrer au paradis. Bi rahmati, par sa miséricorde. Bima kuntum ta'malun ad-darajat fil janna. C'est-à-dire, ce que tu faisais, tu as ta station au paradis. Mais tout à l'heure, on a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne des épreuves, c'est qu'Allah, il a une station là. Et toi, tes œuvres, ils arrivent là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te donne une station au paradis par les épreuves dans lesquelles tu as subi cette épreuve et tu as patienté, tu as demandé à Allah de lever l'épreuve. Je vais m'arrêter là, les frères, pour ne pas... On continuera, inshallah, parce que sur le Qasas, mazal, l'ibar al-Qasas, l'ibar al-Durus, mais sur le Qasas, et vous allez voir, il y a un dua, Moussa il l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala zaoujou. Et vous allez voir que fait akhir surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une leçon au prophète, et il lui prédit l'avenir. Il lui dit ce qui va lui arriver au prophète, et le prophète finalement, après qu'il ait conquis la Mecque, après qu'il ait fait ce qu'il a fait à Médine, il voit, on va comprendre sur le Qasas. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الموت واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.